Alors nous avons le plaisir d'être en votre compagnie, Robert Bobert, dans le cadre du festival Effraction. Et vous venez de publier un livre aux éditions POL qui s'intitule « Par instant, la vie n'est pas sûre ». C'est un recueil de souvenirs, vous dites plutôt même de désordre. Vous êtes aussi d'abord, vous avez réalisé une centaine de films, dont une cinquantaine avec Pierre Dumayet. Et c'est une adresse à Pierre Dumayet, dont vous étiez très proche et qui est mort le 17 novembre 2011, le jour de vos 80 ans. Et c'est une très longue lettre et on reconnaît votre voix, une voix généreuse, chaleureuse, et où il y a de l'humour aussi. Et j'ai pensé aussi à ces lettres que vous aviez écrites dans un autre de vos livres, Berg et Beck, des lettres que vous avez écrites à Henri Beck, qui était votre ami d'enfance et qui a été raflé avec ses parents en juillet 1942. Et je me suis posé cette première question, je me suis dit, est-ce que leur écrire à ces chers disparus, finalement, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de les immortaliser ? Si je dis oui, c'est comme s'il y avait un calcul, alors qu'il n'y a pas de calcul. Moi, je suis quelqu'un, je dis à un moment donné, que j'ai passé des années à ne pas écrire. Non pas sans écrire, comme si j'avais dit sans écrire, c'est comme si j'avais écrit avant, à ne pas écrire. Donc j'écrivais, le seul souvenir que j'ai de lettres que j'écrivais, quand je dis lettres, c'était plutôt des cartes postales, c'était à mes parents quand j'étais en vacances. Voilà, ça s'est arrêté là. Et dès le départ de l'écriture, quand j'ai donné à Paolo Tchaïkovski Laurence 8 pages, non pas pour qu'il les publie, mais pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et quand il m'a dit « je veux la suite », j'ai dit « mais il n'y a pas de suite, c'est une nouvelle 8 pages avec un début, une fin ». Et lui, bon, en tant qu'éditeur, en tant que très bon éditeur, il m'a dit « non, je suis sûr, ce n'est que le début d'un livre ». Donc, je me suis dit, ben, je vais continuer, on va bien voir. Et ce qui vient aussitôt après, ce sont des lettres que le personnage écrit à ses parents. Mais là, les parents sont vivants. Et le livre d'après, Berg et Beck, donc j'ai écrit à Beck, c'est des lettres à un enfant mort. Et c'est pour le faire... on ne peut pas le faire revivre. Mais on peut en laisser un souvenir. Je sais que grâce à Berg et Beck, et parce que j'en parle également là, là où il a habité, il va y avoir bientôt une plaque au pied de l'immeuble. Ah, d'accord. Voilà. Donc j'aurais au moins fait ça. D'accord, donc de rue de la Butte-aux-Cailles, c'est ça ? C'est ça. Enfin, ah. L'entrée rue de Puiste, c'est un angle. La boutique donnait sur la Butte-aux-Cailles. Et au fond de la boutique, il y avait un couloir qui donnait sur la rue de Puy, qui fait juste l'angle. Et donc c'est une lettre, ce livre, oui, donc à Pierre Dumayet, une longue lettre. Mais elle est parsemée d'images. Il y a des images donc justement de la rue de la Butte-aux-Cailles où vous habitiez avec vos parents. Mais il y a aussi une photo de Pierre Dumayet avec Jean Tardieu. Il y a une photo d'une peinture de Serge Lasque. Qu'est-ce que vous avez voulu faire apparaître avec ces images? Est-ce que pour vous, montrer aussi, c'est important? Quand j'ai commencé la lettre, je ne savais pas que j'aurais besoin de photos. Alors je ne voulais pas des photos d'illustration. Je me suis dit, je mets une photo si la photo... dit mieux ou dit plus que ce que j'ai écrit.
Voilà. L'écriture seule ne suffisait pas. La photo, il fallait la commenter. Mais ce n'est pas non plus un commentaire de la photo. C'est, voilà, c'est comme les films que je fais, où le texte a autant d'importance que l'image. Et pour voilà. Vous, c'est une information supplémentaire, Oui, c'est une information. Oui. La photo de la Butte aux Cailles, ou les photos de la rue Villain, par exemple, ou les photos de Walker Evans, sur lesquelles j'avais des choses à dire. C'était important pour moi de les mettre. Alors, des fois, c'était pour le plaisir. Quand je montre le singe qui écoute Pierre Dumayet en train de lire ce que le singe avait souligné, je ne voulais pas me priver de ça. En parlant de photos de Pierre Dumayet, vous montrez une photo. Enfin, d'abord, vous l'avez perdue, puisque le livre avance au fur et à mesure de vos souvenirs. Mmh. Et ensuite, vous la retrouvez. Mmh. C'est la photo, c'est une photo de Cartier-Bresson où on voit deux hommes allongés dans l'herbe. Oui. C'est au moment du Front populaire, au moment où il y a une fête foraine. Et donc vous retrouvez cette photo. Et en fait, pour vous, elle illustre quelque chose que Dumayet disait de vous deux. Il disait Bobert et moi. Mmh. Et on est un attelage amical. De quoi était faite cette relation que vous aviez avec lui? C'est une relation. C'était une relation très, très, très forte. Et à un moment donné, je me suis demandé pourquoi il ne voulait travailler... Enfin, il ne voulait pas travailler qu'avec moi, il a travaillé avec d'autres également. Mais il y avait une sorte de privilège. D'autres ont pensé que ce sont... T'es jaloux. Et en fait, c'est parce que, n'ayant pas fait d'études secondaires, j'abordais les textes qu'il me donnait de manière différente. C'est-à-dire pas du tout scolaire. Il n'y a aucune connotation péjorative au côté scolaire. Et quand on a fait un siècle d'écrivains, on a fait 7 ou 8 ensemble, je ne commençais pas par montrer la maison où l'auteur était né et le dernier plan serait la tombe où il était enterré. Pour Proust, par exemple, d'ailleurs, Dumayet lui-même, on se donnait une liberté qui nous permettait de apparemment, de raconter des choses un peu à côté. Et le Proust qu'on a fait ensemble, Dumayet commence par une lettre de plus, qu'il écrit à un Basset, c'est un Basset que Proust avait offert à un musicien, et au lieu de montrer la lettre, ou je ne sais pas quoi, donc j'ai trouvé un élevage de Basset, et pendant une journée, rampant par terre, etc., pour avoir une complicité avec ce Basset, on a l'impression que le Basset écoute la lettre attentivement à la virgule près. Voilà, c'était comme ça qu'on fonctionnait tous les deux. Et lui, il était très content. Vous aviez une complémentarité complice, quoi, en fait. Ah oui, hein, oui absolument. Ça, oui, ça s'est passé... Et créative. Ça s'est passé dès le... J'avais commencé par faire des films pour lui quand il était producteur, avec un journaliste, quelques documentaires, puis... Et voilà. Et pour le premier Lire, c'est vivre, il a vu que je fonctionnais d'une autre manière. Et donc, il écrivait un texte en pensant inévitablement aux images qu'on pourrait mettre. Et puis, il m'a dit un jour, écoute, je suis emmerdé. Au téléphone, il me dit ça. Je dis, qu'est-ce que t'as ? Il me dit, écoute, j'ai écrit un texte. C'est un texte un peu littéraire, je ne vois pas du tout ce qu'on pourrait mettre comme image dessus, parce que peut-être qu'il faut que je change. Alors je lui dis, non, attends, si tu savais ce qu'on peut mettre comme image, tu fais le film tout seul, tu n'as pas besoin d'un réalisateur. Et moi, ça m'intéresse d'avoir une contrainte comme ça. Et ça m'obligeait à inventer. Mmh. Parce que ce n'est pas une matière forcément facile à... En image, la littérature. Oui, mais j'ai appris après, j'ai connu Perec après, et qui lui aussi, chez lui, la contrainte était importante. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai eu raison
d'avoir des contraintes. Mmh. On finit toujours par trouver. Mmh. Si on se dit qu'il faut trouver, des fois au dernier moment, hein, la veille d'un tournage, il y a encore des idées qui viennent. Et c'est grâce à cette liberté qu'on se donnait que j'ai eu l'idée de le faire interviewer un singe. Et Flaubert aussi, il y a une image avec Flaubert de dos, et il interviewe Flaubert. Oui, parce que quand il écrit, il disait toujours que on ne peut pas interviewer un écrivain mort. Et il dit, mais si j'osais, je lui aurais posé telle question, etc. J'ai dit, voilà, on va mettre Flaubert en photo par un système de trucage. Il a Madame Bovary en main. Et voilà, il lui pose la question. Alors, il y a une autre, pour continuer, une autre improvisation, j'ai l'impression, que vous avez faite sur un tournage, sur quand il interviewe Marguerite Duras aux Roches Noires en 91, plus ou moins 30 ans après la première fois à Lecture pour tous, où vous improvisez quelque chose finalement qui vient aussi du silence qui se passe, si j'ai bien compris. Et j'ai eu l'impression dans votre livre qu'il était souvent question de silence, en fait. Et notamment aussi des silences d'André Schwarzpart, et que j'ai trouvé assez impressionnant, la manière dont vous en parlez. Vous l'aviez connu très jeune, il avait travaillé, je crois, à l'atelier rue du Maître Albert. Oui. Et donc... C'est silence, le silence, le sens que peut avoir le silence, je crois, est assez important aussi pour vous. Oui, en général, c'est un mot qu'on utilisait plus au pluriel, parce que c'était des silences. Mais ce ne sont pas des silences parce qu'on n'a rien à dire. Et ce sont des silences qui permettent de réfléchir. Et il a toujours pensé que lorsque quelqu'un se taisait avant de répondre, c'est qu'il cherchait les mots pour répondre au plus juste. Alors, il y en a qui ont toujours peur de se dire, il y a un silence, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça passe mieux à la télévision qu'à la radio, parce que la radio, on peut penser que c'est le poste qui est en panne. À la télévision, on voit bien les visages. Et les silences, donc, il y en avait beaucoup. Et quand j'ai vu après les documents, en 59, quand j'ai vu Schwarzpart à la télévision, je ne pensais pas encore au silence. Et c'est quand j'ai revu l'image, je me suis dit, c'est face à Schwarzpart qui s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui cherchait les mots, qui se comportait devant la caméra, comme devant une page blanche, avant d'écrire. Et voilà, c'est temps. Et du coup, plusieurs fois, il a parlé de silence. Il se passe toujours quelque chose quand on se tait à deux. Et c'est ce que vous avez pensé quand il était en face à Marguerite Duras? Alors oui, là, il y avait quelque chose qui se passait, qui était... Avec Mader, quand elle a voulu me rencontrer, Dumayet m'appelle et me dit « Écoute, Marguerite veut te voir. » Bon, alors... On se sent un petit peu, on est un peu intimidé tout de même. Et j'étais la voir, je me suis dit, pourvu qu'elle ne me pose pas des questions pour savoir ce que je pense des films qu'elle a réalisés. Elle a évité ça, j'étais très heureux. Et puis elle a dit, on va se promener. Et je savais que ça voulait dire, voilà les lieux qu'il faut filmer. Alors moi je me notais dans la tête tous les lieux. Et lorsque Dumayet lui a posé, il a commencé l'entretien en disant « D'habitude, on commence par parler. On pourrait peut-être commencer par se taire. » Suivre, je ne sais plus combien, 15 secondes de silence. 15 secondes, c'est énorme. Hein. Et puis en disant « Voilà, on est à Trouville, ça ne se voit pas d'ici. Mais si on se penche au balcon, on voit la mer, etc. Voilà. » Et je me suis dit « c'est ça. Tout ce qu'elle m'a raconté. » Sur les lieux, j'évacue. Et comme on lui montrait pour la première fois des entretiens qu'elle ne connaissait pas, faits de 25 ans ou 30 ans avant, je me suis dit, il s'est passé 25 ans,
filmer le temps qui passe, une journée complète. Et petit à petit, la nuit tombe, et à chaque fois, sur la musique d'India Song, je vais au bord de la mer. Mmh. Et en me mettant sur le balcon. Et, c'est un moment d'anthologie. C'est, en tout cas, elle était très contente. Il y a quelque chose de très vivant dans votre livre. Et c'est qu'on a l'impression que vous pourriez continuer tout le temps à avoir des projets. Et vous allez rendre visite à Pierre Dumayet à l'hôpital Saint-Louis. Et vous êtes encore avec lui à parler de projets. Oui, oui. Et que vous. Parce que vous parlez d'une cinquantaine de projets refusés, abandonnés, etc. Mais que finalement, vous pourriez faire une série sur ces projets-là. Mmh. Et est-ce qu'il y a un projet en particulier que vous regrettez de n'avoir pas pu réaliser ? Et oui, enfin, il y en a trois que je cite. Mmh. Mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Les projets, c'était. Pardon. J'avais reçu. Il y a deux personnages dont j'ai connu l'existence. Il y en a un qui avait été un militant juif communiste avant la guerre, qui a été envoyé par le parti. En Russie, qui a été envoyé au Goulag, etc. Enfin, bon. Et qui est revenu, qui est revenu à Paris après la guerre. Et les communistes en France disaient que c'était un traître, un bourgeois, etc. Alors que bon, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de militer toute sa vie. Il avait écrit un livre, l'histoire de Moïse, ouvrier juif et communiste au temps de Staline. Voilà. Et puis, il y avait un autre personnage dont j'avais entendu parler, que j'ai retrouvé sa trace. Il était au bagne. Il venait de Pologne également. Et quelqu'un bêtement lui a dit, si tu veux devenir français, il faut t'engager dans la Légion étrangère. Alors, il s'est engagé dans la Légion étrangère. Et puis, il a dû être humilié, ou je sais pas quoi. Il a tué un officier. Alors, donc, le bagne direct. Il a passé sa vie au bagne. Et je lui avais écrit, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez d'être filmé? Et il m'avait dit, oui, surtout avec l'argent que je gagnerais, je pourrais peut-être revenir en France. Voilà. Et le projet a été refusé. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est pour eux. C'est pas pour moi. C'est un film de moins, mais ça aurait été un film de plus. Voilà. Et d'autres projets plus personnels. J'ai fait un film sur la rue Villain, qui est la rue où Pérec a passé les 6 premières années de son enfance, rue qui a été détruite. Et donc, c'était un film sur les disparitions. Et je voulais en faire un autre sur la butte aux Cailles, le quartier de mon enfance, qui aurait été un film sur la transformation, comment des lieux se transforment. Refusé également. Et puis l'autre, c'était sur le bateau Exodus. Ce bateau qui a emmené les premiers, surtout les enfants qui revenaient des camps de personnes déplacées, qui ont été emmenés clandestinement en Israël, alors qu'Israël n'était pas encore Israël, hein, et que le bateau n'a jamais pu accoster, il est revenu... Et tous les enfants, enfin c'était surtout des enfants, et qui ont été mis dans un camp en Allemagne, en attendant, voilà. Et je voulais surtout, il y avait encore des témoins que je voulais revoir. Vous pensez que c'est des projets qui ne seront jamais, qui n'existeront jamais, Oui, parce que maintenant il n'y a plus... Il n'y a plus les témoins. Il n'y a plus les témoins, oui. Mais je me dis que le fait d'en parler, c'est un petit peu comme si j'avais un peu fait les films. Voilà. Oui, tout à fait. Et vous parlez de Georges Perec, de la rue Villain. C'est une des... Votre livre vibre de dizaines de rencontres dans votre vie. Et celle avec Georges Perec a été majeure. Et vous avez réalisé avec lui Récit d'Ellis Island. Et vous racontez que c'est lui, finalement, qui vous a incité à écrire.
C'est le cas, c'est ça ? Oui. Enfin, il m'a pas dit il faut que tu écrives. C'est parce que je lui racontais, on était dans le train, on allait présenter, il récitait le Ceylan à Bruxelles. Et puis je lui ai dit, c'est marrant, j'ai une idée, une nouvelle. Il me dit, ah bon ? Alors je dis, je vais te la raconter. Il me dit, non, tu ne la racontes pas, tu l'écris. Alors je lui ai dit, non, attends, moi je ne suis pas écrivain. Il me dit, mais tu as écrit des textes pour des films que tu as fait. Je lui ai dit, oui, mais je me sentais protégé par l'image. Là, il me semblait que si j'écrivais, que les mots seraient tout nus. Et il me dit, non, il faut que tu le fasses. Alors j'ai dit, écoute, si tu la trouves intéressante, je te raconte, si tu la trouves intéressante, je te la donne. Il me dit, non, je ne veux pas l'entendre, tu dois l'écrire. Voilà. Et puis ça, c'était donc en 81, et Pierrick est mort en 82. Et comme je repense à cette histoire, on m'avait dit, bon, à force de fréquenter des écrivains, etc., je sais qu'on se débarrasse d'une histoire en l'écrivant, voilà, pour pouvoir passer à autre chose. Alors j'ai dit, bon, je vais faire ça, j'écris 8 pages dans un tiroir, et puis voilà. Et peut-être 2 ans ou 3 ans après, en classant les papiers, hein, ce qu'on fait toujours, je lis ça, et le temps m'avait donné le recul pour savoir si c'était bien ou pas, et ça me paraissait pas mal. Si, bon, entre moi et moi, bon, ça arrange toujours, mais je dis, si je la montre à Dumayet, il va me dire, c'est très bien, et c'est comme si Pierrick m'avait dit, c'est très bien. Et je dis, ben voilà, je vais montrer un professionnel. J'avais connu Paul Tchaïkovski, Laurence Perperec. Je dis, ben voilà, un éditeur, ça dit si c'est bien, si c'est mal. Ça dit plus souvent non que oui, sinon on sera envahi de livres. Et puis voilà. Donc c'est. Est-ce que vous pensez que si vous n'avez pas incité finalement à écrire et à vous mettre à nu, comme vous dites, sans l'image, si Pérec ne vous avait pas incité à écrire, vous auriez écrit quand même ? Ça, comment savoir ? Je ne sais pas. C'était là en vous. Manifestement, alors, vous aviez des histoires en vous. Alors, Paul Tchaïkovski, Laurence m'avait dit, mais sans l'affirmer, il me dit, c'est peut-être parce que tu écrivais déjà pour les films personnels que tu faisais, que tu écrivais des textes, que tu n'as pas éprouvé le besoin d'écrire avant. Il a peut-être raison, mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mm. Il n'empêche qu'après le premier livre, quand j'ai eu fini, j'ai cru que ça serait le seul livre. J'ai dit, bon, ben voilà, j'ai écrit un bouquin. Et en fait, très peu de temps après, cette fameuse page blanche, elle était là, elle me demandait que je m'occupe d'elle. Et alors, curieusement, pas forcément curieusement, mais vous avez écrit des romans, oui, qui sont largement inspirés de votre vie, en, oui, réalité. Pourquoi vous avez choisi le roman plutôt que finalement le récit ? Alors peut-être, je dis bien peut-être, quand j'ai voulu faire du cinéma, au début, je pensais fiction. Donc j'allais très très souvent au cinéma, plusieurs fois par semaine, je voyais des films, j'adorais les comédies musicales américaines, les westerns, tout ça. Voilà. Et quand j'ai pu faire du cinéma, je me disais, voilà, ça va. Quand vous avez été assistant de Truffaut, c'est à ce moment-là que vous êtes commencé à être assistant, ouais. Et puis j'ai vu quelques films, les films de Flaherty, et les films d'avant-guerre aussi, où les gens n'avaient pas les mêmes vêtements, pas les films où on montre les gens comment ils étaient avant la guerre, mais des films tournés avant la guerre. Donc il y avait quelque chose là qui m'intéressait, et je me suis dit, j'aimerais bien alterner, faire des documentaires aussi. Mais à cette époque, on ne faisait pas de documentaires au cinéma, ou très très peu. Il y a eu Farbik de Rouquier, enfin bon, c'était exceptionnel. Et donc, par contre, à la télévision, on pouvait. Je suis rentré à la télévision. Et puis voilà, et j'ai fait des documentaires. Et plus j'en faisais, plus j'y prenais goût. Et moi, j'avais envie de faire des fictions. Et donc, dans l'écriture, vous avez dit, je vais faire de la fiction plutôt. Et alors, donc, voilà, peut-être par manque.
par manque ou par regret, enfin comme on veut, j'ai pu raconter voilà, des choses. Mais le documentaire n'est jamais le réel, disons, on n'est jamais très loin. Et si on me demande à chaque fois qu'il y a une rencontre dans votre bouquin, alors on veut absolument me reconnaître dans tel personnage, etc. Et dans votre bouquin, là, à un moment, vous dites que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Alors je ne réponds jamais. Je dis, si vous lisez le titre, il y a marqué roman. C'est un roman. Voilà. Alors je ne dis pas que ça leur suffit comme réponse, mais c'est la seule chose. Simplement, côté ma formation de documentaire, c'est que quand un personnage se déplace et qu'il y a une affiche de cinéma, ou qu'il pleut, ou qu'il neige, etc., tout ça est vrai. Le contexte est vrai. Il y a des personnages réels, écrivains ou personnages politiques, ou un événement. Et tout ça est inséré dedans. Et les personnages sont là, en plus, intégrés à ces histoires. Ce qui fait qu'on croit que tout est vrai. Il y a des gens qui se reconnaissent complètement. Oui, vous dire que le décor, en fait, l'atmosphère oui, d'époque, le décor, etc., est reconstitué. Vous reconstituez l'époque. Oui, voilà. Non, mais je passais des semaines à la Bibliothèque nationale à lire les journaux de à lire les journaux de l'époque, etc. Et puis je me refamiliarisais avec le langage de l'époque, les mots. Je changeais moins vite que maintenant. Maintenant, au bout de 5 ans, on est largué, hein, parce que quand j'entends mes petits-fils, voilà. Bon, ça changeait moins vite, mais ça changeait tout de même. Et voilà, donc j'aimais bien ça. Ah oui, c'était un vrai travail de mise en scène, en fait, hein, comme vous avez fait sur ces romans. Oui, une mise en scène du réel. Hein, oui, voilà. Une mise en scène du réel, mais très travaillée, quoi. Et vous consacrez quelques pages à Paulo Tchaïkovski-Laurence, page émouvante, donc à votre éditeur disparu, et il y a quelque chose qui vous a dit quand vous lui avez amené votre texte. Enfin, d'abord les 8 pages, ensuite il a dit suite. Vous avez fait une suite. Oui, chapitre par chapitre. Oui. Voilà, pendant 7 ans, si j'ai bien compris. Enfin, oui, pratiquement, oui. Et il vous a dit à un moment, en gros, écrivez avec vos mots. Parce que vous aviez commencé à chercher dans le dictionnaire des mots qui n'étaient pas forcément les vôtres, etc. Et il vous a dit, mais... Oui, c'est pas un mot à toi. Écrivez avec vos propres mots. Parce que le dictionnaire n'est jamais loin, le Becherel non plus d'ailleurs n'est jamais très loin. Et il y avait un mot que je voulais utiliser, mais que j'avais utilisé 3 lignes avant. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve autre chose. Et je vais regarder donc dans le dictionnaire de synonymes, donc je ne me souviens plus. Et donc j'avais mis un autre mot. Qui était un peu trop savant et qui, du coup, faisait sûrement un peu maniéré. Voilà. Et Paul, à l'oreille, il a dit, non, ça ne marche pas. Il m'a dit, tu changes le mot. Et je lui ai dit, pourquoi il est pas... Je lui ai dit, il n'est pas juste ce mot d'ici, juste, mais ce n'est pas un mot à toi. Alors, donc, j'ai compris, et je m'en suis souvenu en décrivant ce... Pour l'instant, la vie n'est pas sûre. C'est ce que je voulais vous demander, justement. Est-ce que ce n'est pas un conseil qu'on garde en soi ? Chaque fois qu'on écrit, on y pense, en fait, d'être soi-même quand on écrit ? Oui. Ce conseil qu'il vous a donné ? Parce que vous écrivez vraiment... c'est pour ça que je parlais de votre voix qui se reconnaît, parce qu'elle se reconnaît entre vos romans et aussi dans Par instant, la vie n'est pas sûre. C'est-à-dire que vous avez une voix, il y a un ton. Et donc, je me suis demandé justement si le conseil de Paul n'avait pas été un conseil dont vous êtes souvenu à chaque fois que vous avez écrit. Oui, c'est curieux ce que vous dites parce que... Enfin, non, c'est pas curieux. On a fait une série sur les correspondances avec Dumayet. Et il dit, quand on pense à un ami, on pense surtout à sa voix. Mais pour les auteurs qu'on n'a jamais connus, si on veut entendre leur voix, il faut lire leur correspondance.
Voilà, c'est la réponse. Le premier film que vous avez réalisé avec Pierre Dumayet, c'était Les récits racidiques De Martin Buber. Martin Buber. Et il y a plein de choses dans votre livre, en fait. C'est pas une, dire auberge espagnole, ce serait mais vraiment tellement de choses. Et il y a quand même au cœur quelque chose qui bat, c'est le yiddish. Oui. Et notamment, il y a une très belle anecdote, je trouve. Vous emmenez Eri de Luca à la maison de la culture yiddish. Oui. Et il voit la bibliothèque, et on le voit là, quand vous le décrivez, il est là, il voit tous les livres, tous les livres, oui. des œuvres importantes qui ont tout été traduites. Tout a été traduit en yiddish. Voilà. Oui. Et je trouve que ça dit tout, en fait. Oui, oui, oui. Alors, les choses se sont inversées. C'est que on lisait, tout était traduit. Son livre préféré, c'est Don Quichotte. Il a dit Don Quichotte. Et Diborski, qui était le directeur de la bibliothèque, hop, il a été cherché, il lui a montré Don Quichotte de Cervantes en yiddish. Et maintenant, il y a peu de lecteurs en yiddish. Enfin, il y en a un peu plus maintenant qu'il y a 50 ans. Qu'il y a 30 ans. Et c'est une langue qui n'a pas disparu d'elle-même. C'est une langue qui a été assassinée. Une langue dans laquelle il y avait énormément d'auteurs, de poètes, d'écrivains. Et maintenant, la fonction... une des fonctions de cette bibliothèque, c'est de traduire tout ce qui a été écrit en yiddish, de le traduire en français ou en anglais. Il y a énormément de traductions. Il y a des livres formidables traduits. Mais déjà, il y avait quelque chose, surtout chez les écrivains américains comme Malam Goud ou Saul Bellow ou Philip Roth, il y a toujours des mots yiddish. D'ailleurs, quand j'ai écrit Quoi de neuf sur la guerre, il y a des gens qui m'ont lu le livre et qui ont dit, vous avez écrit le livre en français, mais nous, on l'a lu en yiddish. Ah oui? Oui, parce que les yiddishistes s'en rendent compte. Dans un livre, je n'aime pas quand on écrit des accents, parce que les accents, c'est toujours mal écrit, et puis on les a pas dans l'oreille. Donc je voulais faire entendre la musique de la langue. Moi, quand je lis un livre de Steinbeck, je veux pas qu'on croie que ça se passe à Paris. Je veux entendre la musique que j'entends dans les films américains, par exemple. Ou si je lis Tchekhov ou Tolstoï, je veux entendre la musique de la langue d'origine. Et je me suis dit... Dans ces ateliers d'après la guerre, on parlait beaucoup en yiddish. Donc je veux qu'on entende cette langue, cette musique. Et je me disais la phrase en yiddish et je la traduisais. Ah oui, d'accord. Enfin, pas toujours, mais c'est pour les dialogues, hein, j'entends. Ah, oui, oui. Voilà. Et selon les personnages. Et des fois, il suffit de déplacer une virgule ou de déplacer le verbe dans la phrase. Et ce qui fait que les gens qui comprenaient... C'est-à-dire qu'il y a une trappe un peu derrière, quoi. Il y a des gens qui entendaient la langue. Et ils ont tellement entendu, c'est qu'il y a eu une tentative de traduction de Konev sur la guerre en yiddish, et ils n'y arrivaient pas. Ah. Ben oui, parce que le yiddish était déjà dans le français. Et il aurait fallu rajouter... Ils l'ont traduit, mais ils n'étaient pas contents. Ils entendaient, c'était du yiddish, mais pas, il n'y avait pas la même fluidité. Et vous avez songé à le laisser, à laisser ces passages j'ai entendu des chapitres entiers. Moi, bon, ça me convenait bien, mais eux, ils avaient des difficultés. Il y avait des mots où ils faisaient ça à plusieurs en plus. Alors peut-être qu'il fallait une seule personne pour le faire, je ne sais pas.
Mais ils ont dit, bon, ça n'a pas été publié, mais on s'est tellement amusé à le faire que c'était bien. Ça, c'est un sacré exploit d'avoir fait un livre en deux langues quelque part. Oui, de redonner ça à la langue d'origine. j'ai eu la sensation, en lisant votre livre aussi, qu'il y avait un peu des repères dans votre existence, forts, qui sont un peu comme des phares. Alors, il y avait la phrase de Paul Otchevski-Lawrence, dont on a parlé tout à l'heure, sur le fait qu'il faut écrire avec ses propres mots. Mmh. Et il y a le livre de Walker Evans et de James Agee, Loup, les grands hommes. Ouais. Oui. Il y a Harpo Marx qui est dans tous vos livres. Ah, ouais, il est dans tous mes bouquins, ouais. Harpo Marx. Et puis il y a aussi Ophuls qui est toujours dans vos livres. Oui, Ophuls et Daniel Darieux. Et Daniel Darieux, voilà. Ah, oui. Bah, dont vous parlez, la rencontre avec Simone Veil, d'ailleurs, vous en parlez dans ce livre. Et donc, vous avez, voilà, c'est des espèces de, alors je ne sais pas si c'est des phares, ou des guides, ou des repères, ou des fétiches, non ? On parlait tout à l'heure des post-it qu'il y a dans ma bibliothèque. Il y a des photos d'Ophuls, il y a des photos de Daniel Darieux, il y en a plusieurs, voilà. Et justement, la ronde d'Ophuls... Vous parlez surtout du début, en fait. Oui. Et en quoi cela, ce début vous a-t-il fasciné? Ce qu'il dit, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est en fait majeur dans votre vision de la vie aussi. Parce que alors c'est quelque chose que Ophuls a rajouté, qui n'est pas dans la pièce de Schnitzler. Hein. Il dit en fait, de mémoire. Enfin, je pourrais le chercher là dans le bouquin, mais. Il dit qui je suis ici. L'auteur, un passant, je suis vous, dit-il en regardant la caméra. Enfin, je suis n'importe lequel d'entre vous. Où sommes-nous? Sur scène, dans un théâtre, dans la rue, nous sommes à Vienne, nous sommes en 1900. J'adore le passé. C'est tellement plus réconfortant que le présent et surtout tellement plus sûr que l'avenir. Parce que ça se passe avant la guerre. Schnitzler, en 1900, on ne savait pas ce qu'allait être l'avenir. Ophuls le savait, puisqu'il avait quitté l'Allemagne, d'ailleurs la même année que mes parents. Et voilà, l'avenir c'était ça. Et donc on était en 1900. Et c'est dans deux livres, ce texte, et dans le film que j'ai fait, qui s'appelle « Le Vient d'avoir la nuit ». Oui, sur votre arrière-grand-père. C'est mon arrière-grand-père. Qui est parti à New York et qui s'est fait refouler. Qui est à l'origine du film « Resident Evil Island ». À son insu, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous... Justement, dans ce texte, qu'est-ce qui vous fascine? Enfin, qu'est-ce qui... Pourquoi ça reste, ce texte de la ronde Sûrement parce que je suis attaché au passé. Enfin, il y a des gens qui... mais pas du genre, c'était mieux avant, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Le passé, parce que c'est ce qui nous construit petit à petit. Voilà, quand je me retourne, je vois les moments qui ont été importants pour moi, les visages... Les films, les livres, les rencontres. Et les rencontres, c'est une chose... sans rencontres, je ne serais pas là aujourd'hui face à vous. Certains qui vous ont rencontré peuvent dire la même chose que si vous n'avez pas rencontré. J'espère. Ah. Et je voulais parler aussi de la lecture, parce que finalement, vous êtes mis à lire tardivement. Donc, j'ai pas arrivé à comprendre quand, en fait, à quel moment vous avez commencé vraiment à lire. Alors. Et en fait, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que vous avez pris goût à la lecture, parce que vous avez l'impression que vous êtes rencontré. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? On se rencontre
comme lorsqu'on retourne dans le quartier de son enfance, on revoit des visages, on rencontre quelque chose de soi. Et moi, je ne lisais pas parce que je croyais, naïvement ou bêtement, comme on veut, que le livre s'était réservé aux gens qui poursuivraient leurs études. Comme ce n'était pas mon cas, j'ai quitté l'école à 14 ans. Et je passais ma vie tranquillement, sans, je ne me sentais pas du tout frustré de ne pas lire. Et je ne sais pas comment un livre m'est tombé entre les mains, que j'ai ouvert et que j'ai commencé à lire, c'est « Banlieue Sud-Est » de René Fallet, qu'il avait écrit à 17 ans, donc moi je devais avoir 18 ans. Et il parlait de choses que je connaissais, il disait qu'il amenait sa gamelle que sa mère lui faisait pour manger le lendemain au boulot. Ma mère me faisait des gamelles quand je travaillais, quand j'étais tailleur, et qu'il allait au bistrot avec des copains jouer au baby-foot, il écoutait Charles Trenet, etc. J'imaginais pas qu'on puisse parler de Charles Trenet dans un livre, pour moi c'était pas ça. Et je dis, voilà, c'est ce qu'on appelle se rencontrer. Et quand on a fait lire ses livres avec Dumayet, quand on en est à lire à une paysanne, à Madame Bovary, elle se retrouvait parce qu'elle avait été saisie. Comme, voilà, donc, et c'est bien de se retrouver. Alors après, je ne cherchais que des livres dans lesquels je pouvais me rencontrer. Ça ne se trouve pas comme ça. Je n'avais personne pour me conseiller. Et puis j'ai tout de même lu quelques livres, bon, comme jamais le jazz. Mesmero, le musicien, avait écrit à l'orage de livres. C'est génial. C'est un monument que j'ai toujours préféré. Bah, toi, on me dit que j'ai tort, mais enfin, j'ai toujours préféré l'orage de vivre de Mesmero à Sur la route de Kerouac. Voilà. Mais parce que c'est ma formation. Voilà. Art pour Marx, bien sûr. Auteur d'un seul livre aussi. Mais oui, parce qu'en plus, c'était des auteurs qui n'étaient pas écrivains. C'était rassurant. Et qui parlait de la réalité, en l'occurrence. Oui. Ah oui, et quelle réalité. Et après, donc, vous avez... Donc, je lisais comme ça. Bon, ouais. Après, on s'habitue à la lecture. Et puis, alors, je ne peux pas citer dans l'ordre. Voilà. Et c'est en voyant Le plaisir de Max Ophüls, inspiré de trois nouvelles de Maupassant, où j'entendais le texte de Maupassant sur les images. Et le texte à 1,1 près. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Alors les images m'aidèrent. Alors du coup, je me suis procuré La Maison Tellier, que j'ai lue, et j'étais revoir le film. Et ça m'a amené à une littérature qui n'était pas forcément contemporaine. Et puis après, bon. Voilà. Donc vous avez lu tout Maupassant ou... J'ai lu tout Maupassant de la Pléiade, oui. Ah oui, ouais. C'était un bon début. Ce que vous dites quand vous vous rencontrez dans un livre, est-ce que c'est l'identification au personnage dont on parle souvent? C'est ça, en fait? Oui. Mais c'était le principe de lire ces livres, c'était ça, hein, c'était donner des livres à lire à des gens qui pouvaient en parler, soit sur le plan professionnel ou géographique ou familial ou autre. Il y a toujours des bonnes raisons de lire un livre, et comme il y a 100 manières au moins de lire un livre. Un livre, après, il appartient au lecteur. Et vous lisiez Pierre Dumayet préparait une émission. Ah bah là, il fallait suivre. Là, il fallait suivre. Ouais. Oui. Donc vous lisiez aussi les œuvres. Alors il me disait, on va faire ça. J'ai dit, je ne l'ai pas lu. Ici, tu l'as lu, tu ne t'en souviens pas, mais tu l'as lu. C'est une manière de dire, tu vas le lire. Voilà. Ouais. Et je lisais. Ouais. Et sans ça, vous auriez pu... de manière plus attentive, parce que je savais que je devais filmer après. Donc il fallait que je lisais avec un crayon et
Et vous auriez pu tourner sans lire justement les œuvres des écrivains? Non. 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 C'était. Ah non, non, c'est pas. C'est, mm. Et de même, quand j'écris, quand je parle d'un lieu, il faut que j'aille le voir. On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Titre de Reverdy, mm. Quand je suis monté, je voulais parler du garçon dont le père est revenu chez lui par le toit du cirque d'hiver. J'ai demandé à la famille Bouglione l'autorisation de monter sur le toit. Voilà, il fallait que je fasse. Si ce que j'avais envie de raconter était possible, c'était possible. Donc, voilà. Oui, vous le racontez alors que vous êtes. Dans le livre, vous le racontez alors que vous êtes plus jeune, enfin. Oui, il y a le fils Bouglione. C'est pas moi, c'est le personnage. C'est le personnage, oui, c'est le personnage. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, pour pas qu'il y ait confusion, encore que le personnage principal dit « je », et pour pas qu'on croie que c'est moi, je suis vraiment, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Robert, voilà, qui est moi. Le casteur, là, celui qui est l'éducateur. Oui, l'éducateur qui, pour Truffaut, fait un repérage à Belleville, voilà. Mais il y a des gens qui s'entêtent à penser que je suis l'autre. Mais je le suis sûrement un peu. Bah, c'est vrai que la confusion, du coup. En fait, ouais. Vous brouillez les pistes un peu quand même. C'est pas forcément clair, non? Mais il y a des gens qui veulent absolument que je sois tel ou tel personnage. Même pour Quandoff sur la guerre, où j'ai décrit un atelier de tailleur. J'ai travaillé quand même 8 ans dans les ateliers. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour dans un débat, il m'a dit « Je ne savais pas que vous aviez travaillé chez mon père. » Alors j'ai dit « Moi non plus. » Et je n'ai pas jamais travaillé chez son père. Mais les ateliers à l'époque, c'était la pièce principale de l'appartement. Donc les enfants circulaient dans l'atelier, etc. Et il y avait la table de coupe, la table de presse, les machines à coudre, des finisseuses. Et comme tout ça était absolument... Mon souci documentaire faisait que c'était exactement ça. Et y a des gens qui ont dit sur ce type-là, ou bien son père a été tailleur, ou bien il a été tailleur lui-même. Oui, d'ailleurs, il y a une histoire que vous racontez. Alors, est-elle vraie, est-elle fausse? C'est celle d'un des ouvriers de l'atelier qui s'en va, qui va travailler à son compte, plus ou moins. Et qui est malmené, et qui revient un jour, jouer avec le costume, et qui le jette par la fenêtre. Ah oui, c'est en le disant, patron. Tu oui, vas voir s'il tombe bien, parce que le patron disait toujours, il tombe mal. Il voulait pas lui dire qu'en fait, il n'y avait pas de boulot pour lui en ce moment, mais. Voilà, il prend la veste, il la jette par la fenêtre, il dit maintenant elle tombe bien. Voilà. Bon, alors, ça, on m'avait raconté que quelqu'un, un jour, dans une dispute, il y en a un qui avait foutu un vêtement par la fenêtre, et ça m'a donné l'idée de raconter ça. Voilà, il y a un petit quelque chose. Après, il faut savoir quoi en faire. Parce que vous aimez bien les histoires, les blagues, entre guillemets, parce que vous commencez par Instant l'invie n'est pas sûr, par une histoire qui l'histoire de ce cordonnier qui se trouve toujours... Qui retrouve 10 ans après la paire de chaussures qu'il devait réparer et qu'il n'a pas réparé parce qu'il a été déporté. C'est important, ça, les histoires, justement, dans Oui. L'histoire... Il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de livre. Oui, mais c'est des histoires un peu blagues, quoi, un peu... Oui, mais ce sont des histoires qui s'inscrivent dans la grande histoire. Il ne faut pas que ce soit une histoire pour une histoire. Avec Pierre Dumayet, vous vous racontiez des histoires souvent. Il adorait les histoires juives. Il me dit, t'en as pas une autre à me raconter. C'est pour ça que vous commencez par là. Oui. Je voulais vous dites à un moment donné, parce que ce livre... On a l'impression qu'il a avancé au fur et à mesure. Enfin, vous l'avez cousu quelque part au fur et à mesure. Et vous parlez même de puzzle. Vous dites
à Pierre Dumayet, la lettre que je t'écris ressemble de plus en plus à la fabrication d'un puzzle. Et est-ce que, rétrospectivement, vous dites qu'il y a des pièces qui manquent à ce puzzle? Oui. Et vous dites, mince, oh là, j'ai oublié de mettre ça. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce puzzle? Oui, il y a des histoires qui sont là, qui ne trouvaient pas leur place. Et si elles avaient été très importantes, j'aurais trouvé une place. Il y en a qui sont déplacées. Enfin, vous parliez tout à l'heure de la photo Bobert et moi. Et ce que je voulais, c'est de raconter les choses dans l'ordre dans lequel elles m'arrivaient. Voilà, je ne trouve pas la photo. Ben, je dis, c'est bête, je ne trouve pas la photo. Alors, génial. Dans un roman, j'en aurais pas parlé. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de construction. Ou alors, je l'aurais remise au moment où quand j'ai trouvé quelques temps après, elle se sera trouvée à la première place. Et là, je la mets quand je la trouve. Et c'est drôle, je ne savais pas quand j'ai écrit ça que ça prendrait cette importance. Vous n'êtes pas la première qui me parle de cette histoire de photo déplacée. Ben c'est, parce que c'est très bizarre, parce qu'on a l'impression... Parce qu'un livre, c'est quelque part une construction. Oui. Là, vous dites, non, je ne vais pas faire une construction, je vais écrire quelque chose au fil de mes souvenirs. Mais quand même, on sait que quand on écrit au fil de ses souvenirs, il y a une relecture, on se dit, bon, ben voilà, ça, on va le mettre avant, etc. Et là... Sincèrement, on vous croit. C'est-à-dire que vous dites, bah, je ne la trouve pas, donc on vous imagine, cherchons la photo, mais vous ne la trouvez pas, puis vous continuez à écrire. Et puis, peut-être 3 jours plus tard... Mais on a raison de me croire, parce qu'au moment où je ne la retrouve pas, je ne la retrouve pas. Et je ne suis pas sûr de la trouver après coup. Donc, si je ne l'avais pas trouvée après coup, bah, on serait resté avec ce manque. Voilà, il fallait que je ne voulais pas remettre les choses en place et à un moment donné, je me suis dit à propos de quelle histoire, j'ai dit, ça j'aurais dû t'en parler avant, mais bon, je ne vais pas tout déconstruire et recommencer. Dans un roman, on déconstruit, on reconstruit. Et là, je ne voulais pas. Et c'est ce qui a donné comme ça cette manière d'avancer. Voilà, les souvenirs m'arrivaient. En écrivant, ils m'arrivaient mieux. Mais c'est... J'ai presque envie de dire que ce sont les souvenirs qui m'ont dirigé. Il fallait que je les suive à la trace en essayant d'en dire ce qu'il fallait en dire. C'est eux qui ont dessiné le chemin, quoi. Oui, oui. Est-ce que vous continuez le puzzle? Est-ce que vous continuez à... Je prends quelques notes. Oui, parce que je dis toujours, enfin je dis pas, oui je dis toujours et je le dis je crois là, enfin j'aime bien ne rien faire, mais j'ai du mal à ne rien faire. Et le problème c'est que avec ce fameux virus, on ne peut pas faire ce qu'on veut, donc je passe plus de temps à lire et qu'à faire des choses. Et donc je dis... Tant qu'à faire, autant écrire. Mais je ne sais pas si ça va aboutir ou pas. Mais voilà, ça m'occupe ou ça me préoccupe, comme on veut. Et donc, c'est plutôt vos souvenirs ou c'est des choses au fil de la plume? Non, ou... mais on sait que les correspondances, en général, puisque j'ai fait plusieurs films sur les correspondances, Flaubert, Van Gogh, Dostoïevski, Kafka... Pourquoi je ne ferais pas un livre sur les correspondances? Ah, c'est intéressant ça. Donc encore sur les lettres. Oui, oui, non, mais ce n'est c'est pas une promesse. Hein, c'est... Ah, aussi, c'est une promesse. Je le retiens. Ah oui, d'accord, un livre sur les correspondances. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui vous fascine, donc. Avec les autres que j'ai cités, il y a des dizaines et dizaines de lettres. Donc, il y aura une deuxième lettre, éventuellement. D'accord. Je dis bien éventuellement. Justement, ça fait penser au titre, en fait. Par instant, la vie n'est pas sûre. Oui. Puisque vous dites éventuellement. C'est une phrase que vous avez tirée d'un livre de Pierre Dumayet, oui. La nonchalance. La nonchalance, oui.
Et qu'est-ce que vous vouliez dire par là, en fait ? Qu'est-ce que cette phrase, elle évoque pour vous ? Parce que tout à l'heure, on était sur la vérité, la réalité, ou pas la réalité. La vie n'est pas sûre, c'est un espèce de... Oui, je crois qu'on peut tout dire. Si on dit la vie n'est pas sûre, bon, on va penser à tous les drames, etc. Mais si on dit par instant, virgule, la vie n'est pas sûre, c'est qu'à d'autres instants, la vie peut être... donc, on m'a dit, en lisant votre livre, la vie est sûre. Voilà. Qui c'est qui vous a dit ça? C'est Isabelle Le Père qui m'a dit ça. Enfin, qui m'a envoyé un petit mot. Ah oui. Voilà, bon, bah, attends. La vie est belle, quoi. Merci beaucoup, Robert Bobert. Merci à vous. Merci à vous.